Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre Let's Play sur Assassin's Creed Origins. Ouais, on est dans la région des pyramides. Alors, on est niveau combien là? 19. Ah, faut qu'on fasse encore quelque chose alors. Il y a un papyrus à trouver, bon ok. Moi je cherche une mission. On va regarder si on en voit d'autres, des missions qui traînent. Je crois qu'on les a un peu toutes faites. Hein. Il y en a une là. Ouais, l'Odyssée, c'est quête annexe niveau 10. Le courroux des poètes, c'est niveau 20, donc on va attendre encore un petit peu. Il y en a une là. Ah, il y en a plein en fait. Moi qui me tombe, il y en a plein. Quête annexe niveau 13. Là, c'est pour lancer des nouvelles quêtes. Niveau 17. Alors pourquoi pas aller faire celle-là, tiens. Allez, hop, on y va. On va se déplacer rapidement, hein, c'est pas tout près. Les gardes sont très vigilants par ici. Ouais, vous allez me dire, il reste quand même 100 mètres, mais c'est pas grave. Toujours la tempête de sable là-bas. Hein. Tu ne peux pas rester là-dedans. Allez, tu ne fais qu'empirer les choses. Mon L'autruche. Imbécile de frère s'est barricadé à l'intérieur. À qui est-ce que tu parles? À l'un de ses rançonneurs, n'est-ce pas? Non, pauvre idiot! Il fuit les hommes de ses fétous. Mais s'enfouir la tête dans un buisson ne résoudra rien. Je ne suis pas une autruche! Ce sont des chevaux que j'entends. Ce sont eux! Va-t'en, vite! Aide-le. S'il ne travaille pas, les percepteurs de ses fétous vont s'en prendre à lui. Je ne sais pas si je pourrais le convaincre, mais je vais garder un œil sur ces percepteurs. Eux, je vais les persuader de vous laisser tranquille. Ok. On nous emmène où, là? Ok, oui. Ah non, pas à Gizeh, non. Ici. Peut-être à nous de repérer la cible, mais avec l'aigle ça va souvent très facilement. Mef 4. On s'y approche très vite, hein. Alors, il faut les allers-retours. Hein. Quand chez moi. C'est où qu'on est? Ok, ouais, c'est par là, ouais. Ouais, c'est un coin que j'avais pas encore visité. Ah, c'est parce que c'est la nome de... Ah non. Non, c'est encore ici. C'est un coin que je... Ouais, un coin que je vais visiter. On va essayer de rester discret, c'est plus sympa. On peut les empoisonner?
Mais ça sert pas à grand chose en vrai. À moins que ce soit les ennemis qui le trouvent et qui se retrouvent empoisonnés à leur tour. Oh voilà, la quête était facile. Attendez, eh ben on va faire d'une pierre deux coups. On a un capitaine à tuer et un trésor à plier. Vu le capitaine, le trésor il doit être par là. Ouais. Tac. Bon bah voilà. Oh. Oh le salaud. Bon bah allez, on va continuer à les récupérer un peu, faire les petits objectifs hein. Ça c'est fait, c'est bien. On a un trésor à piller ici. On va y aller. On va aller se promener un peu dans le désert. Ah ouais, j'aime bien ces belles dunes là. Ah ouais, je fais des photos régulièrement, c'est vraiment très chouette, puis c'est une belle fonction en plus ça. Ah les crucifixions, ouais, ça se faisait déjà bien à cette époque là. Merde, c'est bourré de salauds ça. Oui, c'est, ça vaut la photo, ouais, c'est rigolo. J'aurais dû être plus discret, mais je m'attendais pas à tomber sur des ennemis en fait. Je pensais tomber plutôt sur une ruine ou un truc comme ça. Bon, c'est une espèce de site en ruine, mais c'est bourré d'ennemis. Je me demande si c'est pas eux d'ailleurs qui ont mis ce lieu dans cet état. Oh bah, on récupère ce qui nous est dû.
toujours sympa, une petite photo des exécutés. Ah, c'est tout là-haut. What the fuck? Allez, on grimpe, mon petit. Ah ouais, au-dessus du pendu. Les photos que j'ai prises n'apparaissent plus sur la carte. Bon, on sait qu'il y a plusieurs autres régions, mais on ira plus tard. On n'a pas du tout le niveau là. Hein. Tiens, attendez. Niveau 55, je pensais que c'était limité au niveau 40, mais peut-être qu'en fait maintenant ils ont débloqué. Peut-être c'était peut-être des DLC qui sont sortis après la sortie du jeu. Et on peut aller jusqu'au niveau 55 visiblement maintenant. Mais c'est bien. Alors, bah écoutez, il y a plein de points d'interrogation par là-bas, donc on va aller jeter un oeil à tout ça. J'ai ma monture là qui m'attend, parfait. Il y a plus une chevauchée dans le désert. Hein. Oh, c'est un fessé de brigand alors qu'on est vraiment au milieu de nulle part, c'est fou ça. Hey. Saeb, j'ai essayé de tenir les autres brigands à l'écart, mais je perds chaque jour des hommes. Les serpents sont nombreux et tirent leur venin d'épep en personne. Il me faut plus d'armes pour les combattre ou je crains d'être le prochain. Ah, chouette là, les vestiges là. Hein. Ah, je me trouvais encore le droit de faire une petite photo. Ça, c'est chouette. Bon, bah, un leurre, hein, y a pas de. Pas de trésor ici. Bon, y a des petites pièces quand même. Ah, ici, il doit être là-dessous, hein. Juste d'en trouver l'accès.
Merde, serpent. Sacré endroit, dis donc. Voilà notre dû. À tort de MF4. Ah, je suis en train de me marave. Putain, il m'a défoncé. Allez, fumier. M'attendez pas à ça. Bon. Ok, très bien. Attendez, je bois un petit peu d'eau. J'ai encore quelques projets, hein. C'est chiant, j'ai une mission qui se lance à chaque fois, alors que chaque fois je marque pour l'annuler, que je l'ai lancé sans trop le vouloir. Pas mal de missions là, abus de pouvoir niveau 17. Un niveau 20 là, ça y est, enfin, bon, on va pouvoir faire des trucs intéressants maintenant. Bon, je pense que c'est bien aussi de faire un peu toutes les missions secondaires parce qu'elles sont toutes très sympas. Alors, c'est pas l'histoire principale, mais bon, on la garde quand même relativement bien en tête, hein, cette histoire principale. Hein. Ah, j'adore vraiment les paysages, ils sont vraiment magnifiques. Musique d'ambiance encore géniale. C'est notre oiseau qui nous aide à les tuer là, c'est terrible ça. Il y a plein de fonctions là. Ces pilleurs de tombes ont été pris dans une tempête qui a mis au jour un lit de serpent. Un enchaînement d'événements malheureux, ce lieu est-il maudit ? On a vraiment l'impression qu'en plus de jouer, on se promène pas mal, hein. On explore, on visite. On découvre des endroits incroyables. Ouais, alors, on va continuer pour l'interrogation ici. Il y a les mirages et tout, là. On est en plein désert, là. Hein. Ça, c'est chouette. On n'avait pas eu trop l'occasion de visiter des déserts autrefois. Oh, il y avait des paysages qui pouvaient un peu évoquer le désert dans le premier Assassin's Creed, mais pas comme ça non plus, hein. Mais bon, faut quand même noter que ça fait diversifier les paysages, hein. Y'a vraiment pas que du désert, hein. Aligner les étoiles, ah oui. Ça va pas être simple, ça, à mon avis. Un genre de chien, là, à reproduire. Ah oui, non, ça va, c'est pas trop méchant, faut trouver le motif.
et le replacer. Les Medjay ont un devoir envers les dieux. Nous devons être forts et prêts à nous battre. Mais uniquement lorsque c'est juste. Je vais m'entraîner dur, Papo. Je veux être fort et chasser comme toi. Tu manies déjà mieux les armes que beaucoup d'hommes. Tu feras un bon Medjay, fils. Comme dit Mama, puissent nos victoires se multiplier. La lionne divine, la puissante. De son souffle est né le désert. Oh. C'est une chasseuse féroce. C'est elle qui mène au combat les armées du pharaon. Moche. Je vais bien le trouver quand même. Tiens, je crois que c'est là. Ah oui, ça n'a pas la même forme là tout à coup, hein. La lionne divine. De toute façon, ça c'est une mission, faut qu'on en fasse... on les fera toutes, hein. Toutes celles qu'on trouvera, on finira par toutes les faire à terme. Ah bah là, un petit repère là, on va aller faire ça. Ah, quelqu'un qui transporte de l'argent, d'accord. Très bien gardé. Hein, mais que... Merde, il va tirer dans la paille. Mais... Bon, bah, c'est l'heure du combat ouvert. Hein. Alors ça, ça m'est dû. Merci. Ah d'accord, y'a pas même pas de chef. Bon, je l'ai tué dans la foulée, je sais pas.
Oh, un truc là-bas, c'est un ennemi, ça. Hein. Il bouge pas, là. Et... Quoi ? Ah, voilà le beau lac. Lac Marie Otis. Alors, on a un peu tout fait de ce côté-ci, on va aller un peu par là. Là, il y a pas l'interrogation. Il y en a plusieurs par là. Hein. De toute façon, on fait les choses à petit feu, hein, mais bon, c'est bien, je pense qu'on fasse un peu tout comme ça aussi. Hein. On voit des belles rocailles là-bas. Il y a des coins où c'est vraiment très sableux. Et des coins où c'est plus rocailleux. Magnifique cheminée là-bas en pierre. Je me demande si c'est pas une construction qui est en haut. Ah, il y aura quelque chose ici apparemment. Dans l'endroit aussi paumé. Ah. Wow. C'est des pierres alignées ça. Cercle de pierre de circuit. Bon, on va le faire, hein, et puis après on s'arrêtera là. Ah ouais, c'est une petite forme en plus, ça va pas être forcément simple à trouver ça. Bon là, c'est une forme assez... Peut-être assez reconnaissable quand même. Ouais. Papo, comment on sait qu'on est amoureux? Pourquoi, Kemo? Tu crois que tu es amoureux? J'en sais rien. L'amour doit faire du bien. Mama et toi, vous êtes les seuls que j'aime. Et là, ça fait mal. Parfois, j'arrive même plus à penser. Ça ressemble à de l'amour. C'en est peut-être. Ça m'est arrivé autrefois. Je peux rien pour toi, fils. La déesse Scorpion, Serket. Elle a protégé Izet et Horus de Seth le jaloux. Serket protège des animaux venimeux. Mais pas de l'amour. Ouais, ça va, je l'ai trouvé facilement. Ça fait vraiment penser à Myst, ce genre de délire là, des cercles en pierre au milieu de nulle part et tout. Une série de jeux que je pense pas que je ferai avec vous, on verra. Parce que c'est des jeux quand même un peu compliqués. Ils sont pas, si vous voulez, c'est pas des jeux où le gameplay est vraiment très dur, mais on a surtout des énigmes à résoudre qui sont parfois très très compliquées. Donc ça demanderait beaucoup de temps, beaucoup de recherche. Je suis obligé de passer mon temps à chercher des solutions et à faire les choses après avec vous. Donc je sais pas si c'est très intéressant. Mais bon, on verra bien.
Pour l'heure, on est déjà là-dessus. Et voilà. T'en as du boulot, hein, parce que là, je vois que les... Il y a des annonces pour les prochains Assassin's Creed qui vont bientôt sortir, là. Mirage, et puis un autre, là, qui se passe au Japon, il me semble. Donc, bon. On va... On en profitera aussi, je pense, un jour ou l'autre. Mais bon, on va déjà finir tous les autres avant. Et puis, on verra. Soit on les fera après, soit on fera une autre série entre temps, on verra bien. Oh là. Ouais, ça va, le fumier, j'ai vite tué. Bon, allez, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et je vous dis à bientôt pour le prochain. Ciao!